Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre « Ma meilleure amie ». Chapitre 3, le lit. Même si le mois dînait. J'ai changé 3 fois la chambre à l'hôpital. La mort, elle me trouve facilement. Elle vient me rendre visite de plus en plus souvent. Pourquoi ? Parce que je suis le seul qui ne se sauve pas lorsqu'elle apparaît. Je suis le seul qui lui parle, qui lui offre de l'eau. La mort, elle ne s'installe plus au pied de mon lit. Maintenant, elle s'assoit en plein milieu, juste à côté de moi. Nous partageons une pomme ou une orange ou un morceau de gâteau. En mangeant, je lui parle de ma vie. Aujourd'hui, les médecins ont changé ma perfusion. Mes parents sont venus me voir. J'ai reçu un cadeau, un camion miniature. Chaque fois que je lui parle, la mort est redressée un peu les épaules. Elle rit quelquefois. Ce n'est pas facile d'être son amie parce que elle ne parle pas beaucoup. Je dois lui poser des questions. Elle répond seulement oui ou non. Lorsque mes questions l'emblaient, elle fait l'amour. Alors, pour qu'elle me pardonne, je fais le rigolo. Je lui dis, la mort n'a pas une vie facile. La mort, elle a la mort dans l'âme. Moi, je veux vivre à en mourir de rire. Au revoir.